Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Philippe et Martine. Bonsoir, 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 namasté à tout le Namasté. monde. Bienvenue. Je suis ravi ce soir de vous avoir tous les deux pour la présentation de votre livre magnifique, le grand livre Les êtres de lumière. Mais avant cela, je salue tout le monde dans le chat. Nous sommes déjà plus d'une trentaine. Et une trentaine, donc. Bonsoir Bruno. Voilà. Amour, paix, sérénité, joie et Bonsoir lumière. Eh bien, mon frère. magnifique. Bonsoir Nadia. Merci Nadia. Bonsoir Denise. Bonsoir Marie-Laure. Draguignan, il est pas loin, très Bonsoir Marie-Laure. Michel. Ah oui, Draguignan, c'est à côté de chez vous. Bonsoir Oui. Joséphine. Bonsoir Thierry. Ah, Thierry, hâte d'avoir le livre. Tu peux le précommander. Tu peux le Bonsoir précommander. Jacqueline. Ah oui, Sans c'est. Ah, bonsoir Kaya, ravi de te revoir. Ah. Elle était là hier soir avec moi. Bonsoir Picabou. Ah, super. Picabou est toujours avec ses émojis. Un spécialiste Alors. des Je émojis. pose la question, est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Voilà, j'attends votre retour dans le chat. Bonsoir Patrick, bonsoir Sarah Corot, bonsoir Marie-Ange, Virtual bonsoir Starlight, Sandra, bonsoir Isabelle. Et bien, on est de plus en plus nombreux, c'est extraordinaire. On va passer une bonne Voilà. soirée. On va passer une magnifique soirée. Alors, voilà. Ah, super, Geneviève, merci. Voilà. Avec qui on entend et qu'on voit bien. C'est parfait, tout C'est fonctionne. parfait, tout fonctionne. Donc, eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Merci encore, Philippe et Martine, de votre présence. Donc, ce soir, conférence spéciale pour la sortie de votre livre, Le grand livre des êtres de lumière, un livre que j'ai eu l'occasion d'entrevoir en août alors qu'il était en finalisation. Donc Philippe me l'a montré et dès qu'il m'a montré ce livre, j'ai dit waouh, c'est vraiment un livre magnifique qui est merveilleusement illustré, qui est très complet et je me suis dit obligé de faire un live avec Philippe et Martine parce que la résonance du cœur était immédiate. Et c'est vraiment un livre que j'aurais aimé avoir lors de mon éveil parce que justement, ça m'aurait fait gagner du temps, ça m'aurait évité aussi peut-être certaines erreurs, certaines expériences que j'ai eues. Et donc voilà, Philippe et Martine, peut-être en préambule, pourriez-vous vous présenter pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas? Ma chérie. Je commence. Donc, Martine Isadora. Donc, moi, je suis une femme chamane, une femme médecine. Je donne des soins avec les esprits de la terre, les esprits du ciel, de la mer, et puis des présences qui sont des guides aussi dans la vie de tous les jours, dans ma vie en tout cas. Donc, de toutes origines. Des présences de l'intra-terre, des présences extra-terre, voilà, des présences qui œuvrent au quotidien avec moi dans cette mission que j'ai de diffuser la lumière sous différents aspects, notamment avec ces soins chamaniques qui sont des soins très simples que tout le monde peut utiliser au quotidien pour se soigner, soigner sa famille et ses proches. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Belle Belle présentation. présentation. Voilà, Philippe, on peut dire éveilleur, dans le sens où son dessein de vie, c'est d'aider les gens à les êtres à porter la lumière, à se réaliser, à devenir un avec Gaïa, Gaïa elle-même dans sa matière, et aussi avec tous les êtres invisibles avec lesquels nous sommes. Et donc tous les deux, Martine et moi, ben, nous vibralisons, nous sommes médiums pour certains, c'est un terme plus simple, des êtres de lumière.
et nous recevons beaucoup de messages, et nous pouvons, par moments, nous parlons, nous transmettons les messages de ces êtres de lumière. Et la caractéristique du grand livre des êtres de lumière, c'est que tout ce qui est dit dedans nous a été transmis par les êtres de lumière directement, ce qui fait qu'il y a quantité de choses qui n'ont jamais été dites. Et en ça, le livre est une révolution, parce qu'il amène les gens à être souverains. Donc voilà. Merci. Merci infiniment. Donc ce soir, je pense qu'il y aura aussi une partie où on va répondre aux questions pour que voilà, ce soit aussi un échange vivant avec vous toutes et tous qui êtes avec nous. J'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir partager ce livre? Est-ce qu'il y a un constat particulier, des expériences que vous avez vous-même vécues en soins ou dans le cadre de vos activités qui vous a amené en fait à vouloir partager ce livre? Moi, je dirais que tout simplement, c'est le partage, c'est tous ces enseignements, tout ce qu'on a reçu, c'est vraiment des cadeaux de l'esprit, de l'univers, de l'énergie divine. Tout ça, ça provient de la source et ce n'est pas que pour nous. Nous, on reçoit, mais notre rôle, c'est de le diffuser à un plus grand nombre pour que tout le monde puisse en bénéficier et puisse se connecter à cette présence de lumière, puisse œuvrer, puisse se purifier, puisse s'élever, élever ses fréquences et puis être le mieux possible dans ce monde. Voilà. Et quant à moi, donc, ça c'est l'expérience de Martine, je dirais que ce qui m'avait toujours manqué, c'est d'avoir une vue d'ensemble des êtres de lumière. C'est-à-dire que j'avais des bouts d'éléments, on me parlait des Melchizedek, j'avais d'ailleurs un ami Melchizedek, qui est parti il y a quelque temps. On me parlait des saints, on me parlait des 24 anciens, on me parlait des galactiques, on me parlait des intraterrestres. Mais je n'arrivais pas à faire de lien, mais qu'avoir une vision globale. J'avais que des visions détachées et séparées. Donc se poser pour moi la grande question, c'est comment tous ces êtres se relient entre eux? Comment communiquent-ils? Comment s'organisent-ils? Et il me semblait nécessaire de présenter aujourd'hui un livre dans lequel une grande partie, parce qu'il y en a une infinité d'êtres, une grande partie de ces êtres sont représentés, de manière à avoir une vision d'ensemble. Et ce qui s'est passé dans le processus d'élaboration de ce livre et dans ce que j'ai reçu, et c'est là où le livre est une révolution, c'est qu'il m'a été présenté, l'organisation des êtres de lumière, il nous a été présenté dans le cercle amérindien, le cercle dans lequel tout le monde est assis à la même place que les autres, chacun à côté l'un de l'autre, le Christ assis à côté de toi, mon frère, Akoya, Véro Soleil, Michel, Marie, Isis, Marie, assis à côté de toi aussi, Béatrice, etc. Et parce que dans le cercle, il n'y a personne qui est au-dessus de personne. Et ça, c'est en ça que je dis que le livre est une révolution. Vous le savez, nous avons vécu la présentation hiérarchique, donc en forme de pyramide, des êtres de lumière, nous l'avons vécu. Et c'est une représentation qui tend à mettre certains êtres en bas de l'échelle, et bien sûr certains êtres en haut. Et bizarrement, que ce soit l'Église, ou que ce soit dans le monde d'aujourd'hui, où on retrouve cette structure pyramidale dans la plupart des entreprises, ou que ce soit parmi les gens qui ont promu cette vision-là, bien c'est une vision qui a servi toujours ceux qui sont en haut. Et qui n'a pas aidé, nous, êtres de lumière, à prendre notre pleine souveraineté et notre pleine place d'être de lumière souverain, au même titre qu'un archange, au même titre qu'Isis Marie, au même titre que le Christ, au même titre qu'un ami andromédien, au même titre qu'un ami arthurien, au même titre qu'un ami de l'intraterre, au même titre qu'un dragon, au même titre qu'un esprit de la nature. Et à partir de là, ayant rencontré, ne serait-ce, on va parler d'une chose très simple, les nains qui sont des esprits de la nature, ayant rencontré des nains qui sont des grands sages, qui œuvrent dans les grottes de cristal pour la Terre, au même titre que les mères généticiennes de Sirius, au même titre que des dragons cristallins et d'autres êtres, vous connaissez le cristal central de la Terre. Bien, des nains œuvrent avec eux dans ces grottes. Pour tout ce qui est énergie de la Terre, et les énergies cachées, que ce soit les énergies de lumière d'aujourd'hui, les vortex, et d'autres énergies, c'est les nains qui sont les meilleurs connaisseurs de ces énergies-là. C'est eux qui me guident dans les sites sacrés. Comme il y a d'autres esprits de la nature,
que vous découvrirez dans le livre, qui s'appelle Les Iridescents, qui nous guide aussi dans les parcours, dans les sites sacrés. Donc, si vous voulez, c'est rétablir la vérité et sortir de cette image des êtres de lumière et ouvrir à tout le monde leur message. Il n'y a pas que des gens qui canalisent Cristal Chaya ou tel maître ascensionné. Non, il y a un ensemble d'êtres de lumière à qui nous avons tous accès du fait de notre multidimensionnalité et avec qui nous pouvons nous asseoir à égalité d'être de lumière à être de lumière. Donc c'est en ça que je dis que le livre est une révolution. Et c'est pour ça qu'aux êtres à qui je le présente, je leur dis diffuser ce message, parce que c'est, pour moi, on l'a vu avec Nicolaïa, on est sur une poussée énergétique en ce moment, et la poussée se fait parce que grâce à ce livre, il va y avoir une bascule, c'est-à-dire que les êtres qui sont dans la poursuite de l'éveil vont enfin prendre leur pleine et totale souveraineté et se considérer comme êtres de lumière au même titre que les autres. Il ne va pas y avoir un archange au-dessus, il ne va pas y avoir le Christ au-dessus, il ne va pas y avoir un galactique au-dessus, il ne va pas y avoir Ganesh au-dessus, il ne va pas y avoir un des 24 anciens au-dessus. Non, nous sommes tous ensemble dans le même cercle. Et ça, c'est une notion fondamentale. Et ça change la vie des êtres et ça permet de prendre son plein pouvoir. Et de comprendre le rôle de l'être humain dans l'éveil actuel, dans sa mise en conscience, dans sa mise à lumière de chaque atome de sa vie, en lumière divine, ça permet de comprendre le sens de notre action, le sens de notre action d'éveil, et ce en quoi notre place a de l'importance pour tous les êtres de lumière dans le processus ascensionnel. Voilà, donc j'étais un petit peu long, mais c'est une chose qui me passionne, et c'est vraiment quelque chose, j'ai déjà vu en partageant ceci, combien ça transformait les êtres et la bascule dans laquelle ils passaient, parce qu'ils prenaient enfin leur pleine souveraineté. Ah, franchement, c'était magnifique. Merci beaucoup de nous avoir présenté cela ainsi. C'est vrai que, de mon expérience, ce que tu dis est tout à fait juste. Et cette notion hiérarchique, effectivement, qui date, d'une certaine époque, est maintenant totalement révolue. Et si vous êtes d'accord, j'ai envie de vous présenter justement la pochette du site en partage d'écran, où on va justement pouvoir voir un petit peu comment le livre se présente. Voilà, donc il se présente ainsi avec les anges, les archanges, les esprits de la nature, les dragons, les guides, les intraterres. Donc c'est vraiment très très vaste. Et alors ça, je vous laisserai lire. Donc c'est sûr, vous trouvez tous les liens que je vous montre, vous les trouvez sous la description de la vidéo. Hein. Dans la description de la vidéo, sous la vidéo. Donc déjà, rien qu'à regarder la table des matières, donc qui comporte des sous-rubriques, on voit que les êtres de lumière qui sont, j'ai envie de dire, présents dans ce site et dont on prend connaissance, dont on peut prendre connaissance, c'est très très varié. Hein, parce qu'il y a les origines de la création, il y a les dragons qui sont des êtres, des créateurs de monde, des êtres très très anciens, hein, les dragons. Vous avez les esprits de la nature, les titans, les géants, les divinités, les guides de lumière, les archanges, les séphirotes, les anges. Alors voilà, vous pouvez le lire aussi comme moi, et vous voyez que c'est vraiment très très riche. Et en plus, vous avez donc reçu, que ce soit toi Philippe ou toi-même Martine, à chaque fois des canalisations ou des messages spécifiques des êtres présents dans le livre, je crois. Hein. Bien, tout à fait. Si tu permets, je vais partager aussi. Alors, est-ce que je peux partager moi ou pas? Oui, je pense. Je pense que oui. Alors, c'était majuscule S, je crois. Ouais. Oui. Voilà, donc, alors, le grand livre, voilà. Voilà, c'est quand tu veux. Ah, voilà, ok. Hop. Alors là, comment ajouter la diffusion? Ah ben voilà, ben c'est bon. voilà. Donc c'est parfait. Donc on voit le titre du livre qui. Voilà. Et donc là,
J'ai fait une très petite aparté puisque le nouveau livre de Martine est sorti. Et donc, je tenais à vous en parler. Donc, juste rapidement, Martine est une femme chamane. Et si vous voulez, son nouveau livre est extraordinaire. Je le sais puisqu'elle m'en a demandé une relecture et j'étais vraiment impressionné. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur martineisadora.com. Et là, vous trouverez des éléments et même des bouts du livre à télécharger. Hein, n'hésitez pas, c'est un livre extraordinaire. Voilà, donc, voilà, ce livre est une révolution pour que chacun reprenne sa souveraineté. Donc, vous trouverez soit sur le site de martineisadora.com, soit sur le site philippegilbertauteur.com, les éléments que vous a montré Nicolas Yann, avec quelques éléments à télécharger pour voir comment est ce livre. Donc, là, on avait juste une petite vidéo qu'on avait enregistrée rapidement qui présentait le livre. Vous allez voir, bon, on en a bavé pour la faire, on n'est pas, mais vous allez voir, on y arrive. Bonjour, je suis Martine Isadora. Bonjour, je suis Philippe Gilbert. Nous sommes co-créateurs du grand livre des êtres de lumière, des anges aux archanges, des bouddhas aux taras, des esprits de la nature aux dragons, des guides aux maîtres ascensionnés, des 24 anciens aux 12 étoiles mariales, des galactiques à l'intra-terre, des divinités au Melchizedek, des apôtres aux saints et aux prophètes, et bien d'autres. Nous avons canalisé de nombreux messages d'êtres de lumière que nous vous offrons dans ce livre. Messages d'éveil, messages de paix, messages de guérison, messages de transformation, messages de transmutation. C'est un livre initiatique qui va vous porter dans l'ascension et surtout vous faire prendre place dans le grand cercle des êtres de lumière. Car vous aussi, vous êtes un être de lumière. Nous vous souhaitons une belle découverte. Namasté. Namasté. vous avez dû bien rigoler à l'affaire, c'est ma... Ouais, c'est quelque chose, parce qu'on parle de quelqu'un de tout. Je te jure, ça a été terrible. Voilà. Ah oui, ouais, ça a été rigolo. Voilà, donc le sommaire que vous a présenté notre ami Nicolas Yann tout à l'heure, donc qui va vous présenter... par exemple, les nations, les 24 anciennes et 12 étoiles mariales, et ce que sont les mondes de libre unifiés, si vous voulez, dont le guide est Omram Mikhaïl Ivanov. Et si vous voulez, vous allez revoir l'ensemble des mondes de libre unifiés, qui va des galactiques, au Melchizedek, au Sanat Kumara, et d'autres êtres qui sont présentés dans le livre. Donc, vous rencontrerez les mondes de libre unifiés, vous rencontrerez les êtres de l'intra-terre, vous rencontrerez des esprits de la nature et vous allez découvrir que ces esprits de la nature sont présents aussi dans l'intra-terre et sont parfois présents dans d'autres mondes célestes. Et là, voilà, nous avons choisi avec Martine de vous présenter un haut conseil de lumière, puisque les êtres de lumière, tels qu'ils sont présentés dans le livre, sont rassemblés, ont des représentants. Les représentants sont des êtres de lumière dont le dessein de vie est d'être le représentant, et donc qui sont organisés dans des cercles, qui sont des conseils de lumière. Et nous vous présentons à chaque fois le conseil de lumière des anges, le conseil de lumière des archanges, le conseil de lumière des êtres galactiques, les conseils de lumière de l'intra-terre, etc. Donc à chaque fois, il y a des schémas qui vous les présentent, donc qui vous permettent de retrouver facilement vos guides. Et là, c'est par exemple la composition d'un haut conseil de lumière. Nous décrivons avec Martine notre expérience, puisque nous avons été présents à un de ces conseils de lumière, puisque les êtres humains y sont présents aussi, ils sont représentés par moments. Et donc, eh bien, on voit tous ces cercles de lumière qui sont eux-mêmes dans un grand cercle, unifiés par l'amour 1 d'Isis Marie et unifiés par des grands vortex et des colonnes de lumière galactiques qui leur permettent de développer toute leur capacité. Et là, donc, il y a plein d'éléments comme ça qui vont vous permettre pour vous facilement de trouver quels sont vos guides de lumière, quelles ont été vos précédentes incarnations, où sont vos doubles, etc., etc. Bien, comme vous le savez, comme on utilise un biomètre, comme on cherche avec un pendule, eh bien, on peut trouver facilement, et avec le livre, on peut après avoir des nombres beaucoup plus précis pour chaque partie sur laquelle vous allez. Donc, c'est en ça que c'est un outil absolument énorme.
Et donc, juste après, et après, on viendra, on pourra partager. Là, c'était pour vous présenter. Là, c'est une illustration qui est présentée dès le début, quand on présente comment les mondes se sont construits, quand la source est passée d'abord à la Trinité, source, Père, Mère, et ensuite comment elle a décidé de passer de l'incréé au créé. Et parmi les êtres qui ont participé, donc vous découvrirez les êtres qui ont participé, parce qu'il n'y a pas que, mais nous vous présentons, ça c'est pour vous montrer la qualité des illustrations, il y en a d'autres qui ont été faites par Martine Isadora, puisque la plupart des illustrations ont été faites par Martine et par Audrey Plain. Et donc, il y a des illustrations qui sont absolument magnifiques, des galactiques, des dragons, des esprits de la nature, de certains Melchizedek, etc., etc. Et donc, vous pourrez découvrir. Et là, par exemple, eh bien, on a une mère généticienne de Sirius, donc, qui sait, et on vous explique comment elle a pu créer la matière, souvent dans des grottes cristallines, et comment elle a pu créer la matière par quel usage de la lumière de la source elle a pu créer la matière, bien sûr aidée par d'autres êtres, des dragons, des Elohim et d'autres êtres qui vous sont présentés dans ce livre avec des magnifiques schémas illustrés. Nicolas, tu vas pas arrêter le partage 2 minutes pour laisser... Oui. Alors, effectivement, moi, ce qui m'a vraiment... impressionné, j'ai envie de dire, c'est la qualité des illustrations, la qualité de la mise en page, la précision vraiment des messages et des êtres présents, la variété de tous les êtres présents, c'est vraiment extraordinaire. Et il y a également des questions qui se profilent. Je ne sais pas si tu voulais y répondre au fil de l'eau ou si vous voulez qu'on prenne un temps. Vous pouvez répondre au fil de l'eau. Alors, il y a Picabou, c'est est-ce que ce livre est accessible pour les enfants ou est-ce que vous en faites ? Tu peux répondre ? Allez. Moi, je dirais oui. Il n'y a rien de très, très complexe, compliqué. Je pense qu'un enfant, il peut ressentir déjà plein de choses et se connecter aux présences très facilement et intuitivement. Donc, y a des choses qui vont résonner très, très simplement avec eux. Ben, par exemple, pour les enfants, le chapitre sur les iridescents est absolument magnifique et il peut leur être présenté ces êtres. Et de toute façon, ils vont ressentir les vibrations dans le livre, les fréquences. Il y a plein de choses à leur expliquer avec les dragons. Leur présenter les galactiques, les andromédéens, avec leurs images, les arthuriens avec leur tête de lion, et puis d'autres arthuriens, leur présenter aussi, par exemple, les êtres de l'intra-terre, et expliquer tous ces mondes-là à des enfants, comme dirait Nicolaïa, eh ben, c'est leur donner 30 ans d'avance, quoi, 40 ans d'avance, parce que d'un coup, ils passent à une vision du monde qui est beaucoup plus complète et dans laquelle ils peuvent s'inscrire dans l'unité. Et ça leur révèle aussi tout ce que les enfants d'aujourd'hui perçoivent, ça leur montre la réalité, puisque c'est le but. Donc, si vous voulez, les illustrations, bon, j'étais architecte de formation autrefois, ce qui m'a ouvert à un certain type d'énergie, donc des énergies des sites sacrés, et si vous voulez, je suis très visuel, et le fait d'avoir ce type d'illustration va permettre aux enfants, ben, tout ce qu'ils ressentent intuitivement, de mettre quelque part, comme suivant l'expression, on dit de mettre un nom sur quelque chose, de dire « Ah, ce que je ressens, ça existe. » Ah, quand je vais là-bas, que je joue, je sens qu'il y a des elfes. Ah, c'est comme ça, un elfe. Ah, là, je sens qu'il y a un fantôme. Ah, un dragon, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut en parler ? Ah, un archange. Ah oui, j'ai vu un être de lumière la dernière fois. Eh bien, c'était E.T. un peu comme dans le film. Eh bien, tiens, il ressemble plus à celui-là. Voilà. Et là, l'enfant, il va comprendre. Et après, c'est aux parents de transmettre le discours, quand parfois, il y a des termes qui sont un petit peu trop complexes. Mais c'est un livre qui se lit, je dirais, sur plusieurs plans. Voilà. Et les fréquences sont universelles. La lecture du livre, elle est sur plusieurs plans, et les fréquences du livre sont universelles. C'est vrai que de voir les illustrations, ça permet de mieux pouvoir identifier en fait la forme des présences qu'on peut rencontrer. Et il y a beaucoup d'enfants qui voient dans l'invisible, donc c'est vrai.
Oui, effectivement, c'est à mon ressenti personnel, c'est vraiment pour l'avoir lu, c'est et aussi par rapport à l'expérience de mes propres enfants, que ce soit de ma fille ou de mon fils, eh bien, c'est vrai que ça peut être également un livre merveilleux pour les enfants et leur apprendre à découvrir, que ce soit par exemple souvent les enfants, il y a des dragons qui les accompagnent ou des licornes, et puis ils perçoivent, comme vous le dites. Les aides de la nature, ils perçoivent facilement. Donc, ça peut vraiment. C'est un livre vraiment intéressant aussi pour eux. il y a une question sur la disponibilité. Bon, je ne sais pas si vous voulez en parler tout de suite ou à la fin. Ben, voilà, je peux juste répondre à une chose. On vous présentera à la fin, puisqu'il est disponible partout, et donc on vous donnera quelques liens de gens qui déjà le vendent en précommande. Et effectivement, il est marqué à la date du 10 novembre. Ah d'accord, ok. Donc, super. faut patienter un peu, mais si vous voulez, c'est ce qui fait la qualité du livre, parce que c'est un livre qui a une telle masse d'informations, vous verrez dedans, c'est extraordinaire. Nous, c'est des dizaines d'années de travail qu'on a condensé, qu'on a mis là-dedans pour vous le donner, et qu'il fallait qu'il y ait vraiment une cohérence globale entre tout ce qui a été donné. Donc, il a demandé lecture, relecture, et je remercie les éditions, le groupe Trédaniel, parce qu'ils ont mis quelqu'un d'extrêmement compétent dans la lecture, de manière à donner une cohérence globale à tout le livre. Et vous verrez, c'est énorme, la masse d'informations qu'il y a dedans. Mais justement, si vous voulez, du fait de la masse d'informations qu'il y a, il y a certains d'entre vous qui vont dire, oui, il y a une masse d'informations énorme, mais comment je fais pour m'en servir? Mais j'y ai pensé. C'est-à-dire que vous savez, la nuit, on continue à travailler, à œuvrer pour la lumière de sa vie. Et Oui. si vous voulez, c'est pour ça que sur ce livre-là, je ne pouvais pas le laisser comme ça. Et il fallait qu'on puisse en tirer une partie de la quintessence, parce qu'on n'en tire pas tout, mais nous avons fait ensemble avec Martine un travail sur les annexes. Je m'explique. C'est-à-dire que parmi beaucoup d'êtres de lumière qui vous sont présentés, par exemple le dragon d'or, qui est ici, je vais vous montrer dans l'image. Donc j'y reviens. Voilà. Si tu peux juste activer le partage, on va présenter le dragon d'or. Voilà, le dragon d'or. Donc là, on a une image de Martine. Vous voyez qu'il est très, très beau. Et ce qui est présenté en dessous, c'est un soin d'éveil. Donc, le soin d'éveil du dragon d'or, eh bien, alors là, c'est le soin au lieu. C'est-à-dire que sur la page d'avant, donc je n'ai pas pu vous mettre deux pages, mais les dragons, ben, présentent un soin aux êtres. Donc, un soin à vous, à nous, et un soin que vous pouvez faire à d'autres personnes. Un soin d'éveil. Donc, un soin, bien, comment illuminer mes 24 brins d'ADN, comment toucher à ma résilience, comment rejoindre mes lignées interstellaires, etc. Donc, un soin d'éveil, un soin aux êtres et un soin aux lieux. Alors, les lieux, ça peut être la nature, hein, comment favoriser le développement du mycélium dans mon jardin, comment enlever toutes les entités qu'il y a, etc. Et là, par exemple, le dragon d'or pour les soins aux lieux, je vous le lis, il transcende l'essence divine des lieux totalement, afin qu'elle emporte son information de lumière dans les couches de lumière une à la disposition de tous les êtres de lumière. Donc, transcender l'essence divine du lieu, c'est-à-dire que d'un lieu qui est nettoyé, purifié, elle va l'amener à son essence divine. Donc, vous imaginez pour les thérapeutes ce que ça veut dire. Et puis, pour nous, dans notre vie quotidienne, être dans un lieu qui est imprégné d'essence divine. Il dissout toute trace de la lumière oblique dans les lieux. Ben oui, la lumière oblique, c'est la pression qu'on subit sur le cocon, c'est la lumière archontique, c'est celle qui nous fait douter, c'est celle qui nous met des fausses informations en nous, et il en dissout toute trace dans les lieux de manière à ce qu'elle ne soit plus que lumière divine. Et ensuite, il est gardien du réseau or et des phénomènes liés, donc les réseaux or qu'on retrouve à Strasbourg, réseau or qui passe à Chartres et dans d'autres endroits, donc vortex, cheminée, colonne or. Et donc là, si tu veux, on peut arrêter le partage. Et donc, si vous voulez, les annexes se présentent ainsi. C'est-à-dire que les annexes, eh bien, vous allez trouver, par exemple, les soins aux personnes. Donc là, tous les êtres de lumière, eh bien, vont vous présenter des soins de recouvrement d'âme, des soins sur l'enfant intérieur, des soins de reconstitution de l'aura, des soins d'enlèvement d'implants, etc., etc. Et après, bien sûr, des soins liés aux lignées interstellaires et autres. Et vous allez retrouver les soins
aux animaux, aux végétaux, aux minéraux. Vous allez retrouver dans les annexes les soins aux lieux et à la nature. Et vous allez retrouver les soins d'éveil. Et sachez que rien que sur les annexes, il y en a pratiquement 6 à 8 pages, pour vous dire le nombre de soins qui sont traités. Et ça, c'est qu'une partie de la quintessence du livre. C'est qu'une partie, parce qu'en plus de ça, il y a d'autres choses qui vous sont offertes, puisqu'il y a des méditations, par exemple, il y a des initiations d'éveil. Là, j'en ai vu une tout à l'heure donnée par un andromédéen, etc. Donc, c'est un livre extrêmement riche. Nous vous expliquons, par exemple, pour les dragons dont on entend parler, tu peux parler des... Vas-y, des œufs. Des œufs de dragon, oui. Quand on reçoit des œufs de dragon de la part d'une dragonne, ben, c'est un cadeau très particulier. Et c'est qu'on est reconnu en tant que dragonnier, dragonnière. Donc, on reçoit cet œuf qu'on porte en nous jusqu'à la naissance du petit dragon qui se retrouve après sur notre épaule, qui reste avec nous et qui devient vraiment... un compagnon d'une loyauté et d'un amour infini envers nous, qui va rester toute notre vie et souvent toutes nos vies, on se retrouve. Et c'est très, très précieux et très particulier de vivre ça. Donc voilà, il y a des explications là-dessus. Là, ce que je peux vous proposer, voilà, c'est le type d'explication qui est donné dans le livre. J'ai reçu un dragon de lumière, parce qu'il y a des dragons de lumière, de la lumière issue directement de la source. Et j'ai reçu un bébé dragon de lumière. Donc, il est sorti de mon ventre il n'y a pas très longtemps. Donc, je suis ravi de le faire participer à des missions pour l'habituer à ça. Sachant que dans quelques temps, il va me quitter, d'après ce qu'il me dit, c'est à peu près dans un mois et demi, pour aller dans une école de dragons pour rencontrer des maîtres dragons. Et ça, c'est expliqué dans le livre. On vous présente quantité de maîtres dragons, donc c'est extraordinaire. Et mon petit dragon maître de lumière, vous êtes nombreux et il a envie de vous faire un soin à tous. Donc c'est mon jeune ami dragon. Donc ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est de vous poser dans votre intériorité. Et c'est mon jeune ami dragon de lumière, et bien il est émoustillé comme tout, c'est la première fois qu'il accueille. Voilà, de l'accueillir, et il va vous faire un soin de lumière, comme il sait faire, c'est-à-dire il va profondément, avec son souffle de lumière, parce que vous connaissez le souffle des dragons, éveiller un feu igné de lumière, donc les feux ignés, c'est des feux qui brûlent en permanence, c'est des feux sacrés, en vous, pour amener chacune de vos cellules à se savoir de ce que c'est que la lumière divine de la source, de ce que c'est qu'avoir chaque atome qui devienne pure lumière de la source. Et donc, il est en train de faire ce travail sur chacun d'entre vous. Bon, il a appelé des amis, il me dit quand même. Oui. Donc, vous avez plein de petits dragons qui sont en train de s'entraîner sur vous à leur rôle. Et vous voyez, c'est ça la co-création dans le cercle. C'est ça que nous vivons ce soir et c'est ça que vous vivrez avec ce livre. Et c'est des moments extraordinaires. Parce que en faisant ce travail-là, dans notre cercle que nous avons formé, il y a des formes spiralées qui se réveillent, formes spiralées tout comme elle est notre ADN. Pourquoi ? Pour nous signifier que cette spirale de lumière qui se met au centre est la spirale de notre ADN qui, à travers le feu de lumière que vous met le dragon, eh bien, est en train de transformer votre ADN et de l'amener à la vibration de la pure lumière de la source. Et c'est un travail préparatoire au passage aux 24 brins d'ADN quantique, chose que nous avons déjà fait avec mon ami Nicolaïa et quelques autres qui étaient présents, mais qui va devenir, je vous le promets, d'ici à 2023, puisque ça fait partie des choses pour toute l'humanité qui se réveille, va devenir une norme. C'est-à-dire que tout le monde va recevoir ces 24 brins d'ADN. Et le type de travail que nous fait notre ami Dragon, c'est un travail préparatoire à ça, pour ceux qui ne l'ont pas reçu. Donc sachez qu'après, il va y avoir une grande bascule, et cette grande bascule va se faire en début d'année, de manière à ce que tout le monde ait ses 24 brins d'ADN initialisés. Eh bien, écoute, j'en ai un qui est apparu, là, avec un vaisseau, au-dessus de chez, derrière, juste derrière mon mur, et hop, il est venu, il a fait un nettoyage autour de chez moi, là, voilà, il est là, poum, il s'est là. Magnifique, merci. Merci, cher dragon. Et c'est vraiment, effectivement, un livre, je pense, qui nous ouvre à de grandes révélations, à de grandes
à des grands moments de vie, d'amour et de partage avec, avec tous ces êtres et avec soi aussi, à travers le fait que ça va forcément apporter une résonance à notre cœur que de vivre ces magnificences avec tous ces êtres de lumière. Et en cela, c'est vrai que c'est un livre qui est vraiment magnifique. Magnifique. Alors, je ne sais pas, n'hésitez pas à nous dire hein, si vous avez ressenti ou vu ou voilà parce qu'on a parfois des canaux privilégiés. Voilà. Oh, Dragonnier, je renvoie le feu de mon cœur, oui. Nous aussi, justement, nous pouvons aussi aider, bien sûr, à nous-mêmes, en tant que ceux que nous sommes, bien sûr, les êtres de lumière qui nous le demandent et qui acceptent. Voilà. On peut continuer le partage si tu veux. Oui. Voilà, c'était pour vous montrer. Donc, un tableau, celui d'auparavant, c'est celui d'Audrey Plein. Et là, maintenant, c'est un tableau de Martine. Et qui nous présente Isis Marie. Et donc, Isis Marie fait partie des guides, hein, au même titre que Jésus, Marie-Madeleine. Voilà, les apôtres et les rois mages nous sont présentés. Et avec une autre version que celle qui est donnée. Les rois mages, c'est rigolo parce qu'ils m'ont clairement montré que l'étoile qui s'est posée au-dessus de la crèche et qui les a guidés. Était en fait un vaisseau. Était en fait un vaisseau qui les avait guidés là. Donc c'était extraordinaire, ça m'était très clairement dit, donc c'est ce que j'écris dans le livre. Et là, donc notre amie Isis Marie, tu veux en parler un petit peu? Alors, attends, je vais pour en faire comme ça. Voilà, est-ce que là tu vois plus? Alors, voilà. Voilà, Isis Marie, la source, la puissance de son amour l'a amenée à se. Alors, la source, on parle de la source, la puissance de son amour l'a amenée à se scinder en père et mère, dont Isis Marie est l'avatar. Donc, Isis Marie, c'est un avatar de la source. Isis et Marie, deux incarnations, un seul être, un seul destin, un seul dessein, celui de l'émergence de la lumière, celui de l'accomplissement de Jésus et de Marie-Madeleine. Afin de faire émerger l'incarnation du Christ sur cette terre. Ainsi, de par son œuvre, les fréquences de libération par la lumière du couple sacré Christ-Michaël et Marie-Madeleine baignent maintenant tous les univers, maintenant et à jamais. Voilà. Et donc, au début, nous disons aussi, nous t'invitons à une rencontre avec Isis Marie, avatar de la partie féminine de la source, la mère, avec le couple sacré Marie-Madeleine et le Christ, parce qu'on vous les présente après dans le livre. Qui ont arpenté nos terres du sud de la France, avec la Sainte Trinité originelle, celle qui inclut le principe féminin, les rois mages, aussi avec les apôtres, et plus particulièrement les quatre évangélistes qui forment le tétramorphe, Luc, Jean, Jacques. Et puis enfin, avec les prophètes de Moïse à Élie. Bon, Élie, c'est aussi les enseignements de Thoth, hein, vous le savez, et notre guide égyptien. Voilà. Donc, c'est tout ceci qui vous est présenté dans le livre avec des éclairages. Donc, je regarde après. Vas-y. Ah, Véro Soleil. Elle dit, cette photo me donne envie de pleurer. Tu veux... Bien, les... Si elle te donne envie de pleurer, c'est parce que Martine l'a dessinée quand elle peint. Le mieux, c'est que tu expliques quand tu peins comment ça se passe. Bah, disons que quand je peins, c'est les êtres qui se présentent à moi. Et il y a un phénomène qui se produit. C'est comme s'il y a l'émanation de la présence qui se transpose dans la toile. Apparemment, c'est un don que j'ai et donc ça permet de ressentir encore plus fort les énergies de la présence quand on regarde la toile ou la photo de la toile, etc. Donc on est en relation directe en fait avec l'émanation de la présence et les énergies de l'être.
Et donc, pour Vers au Soleil, c'est cette émanation du féminin, et de ce féminin qui est pur avatar de la source, parce que c'est ça le vrai féminin sacré, c'est ce pur avatar de la source, qui t'ont fait pleurer. C'est tellement c'est beau, tellement c'est grand. Il faut savoir que quand je vous ai présenté le Conseil de Lumière, tout au début, ce grand cercle dans lequel tous les êtres se réunissent, rappelez-vous, je vous ai dit que l'être qui harmonisait tous les êtres présents, dans des énergies d'amour infini, c'est Isis Marie. C'est Isis Marie qui harmonise tous les êtres dans l'amour. Elle est présente aussi parmi les 24 anciens, parmi les 12 étoiles mariales, pour les harmoniser aussi. Et c'est un être extraordinaire. Extraordinaire. L'amour peut tout. Très chargé photo, magnifique, merci. Ah oui, le féminin sacré. Donc vous voyez l'immensité des thèmes qui sont abordés dans ce livre, hein, dans cette union du féminin et du masculin à travers les êtres. Je te propose de repartager si tu veux. Alors. Voilà, donc là, hop, si vous voulez. Voilà, donc la constellation d'Orion, c'est pour vous montrer aussi comment les galactiques sont représentées. Là, c'est pour présenter eh bien, les mondes libres unifiés. Hein. Alors, là, c'est pour vous présenter, par exemple, sur la constellation d'Orion. Il y a quantité de planètes dans la constellation d'Orion. Les plus connues sont l'alignement de trois étoiles sur lequel sont alignées les trois pyramides de Gizeh. Au-dessus, il y a Bethelgeuse et Bellatrix, et en dessous, Saïf et Rigel et la nébuleuse d'Orion. Donc, Rigel, donc là, dans la constellation d'Orion, c'est un être de Rigel. Notre ami Aïr Ra-Kieh vient de Rigel, une supergéante bleue, une des plus brillantes du ciel, à la température plus élevée que celle de notre Soleil. Et il nous propose quelque chose, notre ami. Il nous propose que chacun d'entre nous ouvre son cœur à la puissance solaire de Rigel, ou Rigel, au point que l'intensité, la luminescence de la lumière d'unité devienne le pur reflet des vibrations adamantines de la source. Donc, à travers l'ouverture de son cœur à Rigel, ou à Rigel, dans cette super géante bleue, eh bien, l'intensité et la luminescence de sa lumière, de ta lumière, de ta propre lumière, vont devenir le pur reflet des vibrations d'amour de la source. Donc, si vous en avez envie, ben faisons cette proposition d'ouverture du cœur de Aïr Ra-Kieh à la puissance solaire de Rigel. Voilà, tranquillement, c'est ce qui vous est proposé à chacun. Donc, connectez avec lui. Et il vient avec d'autres êtres d'Orion, chacun d'entre vous, pour vous adombrer. Et je suis sûr que certains d'entre vous, je le sens, certains d'entre vous sentent déjà les connexions du fait qu'ils ont des doubles présents dans la constellation d'Orion, ou du fait qu'ils ont vécu sur Orion même. Et donc, on vous propose cette ouverture donc, à Rigel, à cette super géante bleue et à sa lumière, de manière à augmenter l'intensité, la luminescence de votre lumière d'unité. Voilà, tranquillement, à travers lui, vous voyez cette forme, de, non pas de troisième œil, mais il est en train d'ouvrir quelque chose en vous, à travers cette lumière de bleu qui est en dessous de entre ses yeux. Voilà, tranquillement, donc laissez-vous baigner la lumière de cette super géante à travers Aïr Ra-Kieh. Voilà, il vous amène encore plus loin, il vous permet de repousser les limites, puisque là c'est au-delà de notre soleil, hein, donc de notre galaxie. Ça vous permet de vous ouvrir à la puissance solaire d'autres galaxies. Et donc de repousser les limites en vous, et donc d'intégrer dans votre unicité d'être divin vos lignées interstellaires. N'hésitez pas, tranquillement.
Voilà, c'est extrêmement puissant ce qu'il est en train de faire en nous. Voilà. C'est vraiment le retour vers nos origines, de nos origines, notre incarnation de maintenant, en passant par nos lignées interstellaires. C'est ce travail-là qui nous fait vivre à travers ce qui est cette proposition. Merci à toi, cher ami et cher frère Aïr Raké, de nous avoir présenté ceci et de nous avoir fait découvrir ta magnifique étoile. Voilà, donc ça c'est le type d'initiation que vous allez retrouver dans le livre qui va vous être présenté. Eh bien, c'est magnifique, merci. Donc... C'est vraiment impressionnant, justement, comme le dit Nadine. Et alors, j'ai envie de dire, dans ce livre, de ce que j'ai perçu, alors bien sûr, c'est un livre qui est très conséquent, hein, il y a plus de 350 pages, je crois. Oui. Eh bien, chaque page, en fait, est un émerveillement, une découverte. Et recèle en elle un trésor, j'ai envie de dire, un trésor d'amour, un trésor de possibilités d'œuvre, de partage, d'éveil. Et c'est ça qui fait aussi la force de ce livre, c'est vraiment ces êtres qui se sont présentés à vous et avec lesquels on peut vraiment œuvrer et se découvrir soi-même à travers cela. Et communier, j'ai envie de dire, parce que j'aime bien ce terme-là aussi, c'est-à-dire communier dans notre unicité voilà, avec eux et justement apprendre et vivre justement les expériences dont on a besoin pour se réaliser. C'est extraordinaire. On a donc beaucoup, beaucoup de messages par rapport à ceci. Sachez que ce qu'on vous a montré là est qu'une partie, parce que les intraterrestres, il y a une très très grande partie. Vas-y, si tu es au message. Nicolas. Voilà, bah, justement, suite aux soins et à l'œuvre, Daniel nous dit, voilà, j'ai retrouvé une partie de ma famille d'Aldébaran magique et adombrée par beaucoup d'alliés et autres présences, feu du cœur à cette magnifique présence. Voilà, et... voilà, il y a... voilà, il y en a qui ont vu la tête bouger. voilà, c'est vraiment, c'était magnifique. Isabelle nous dit c'est divin. Alors, merci pour vos retours aussi. Voilà. Koro qui en pleure de joie. Voilà, il y a beaucoup d'êtres qui l'ont vu bouger. Hein. J'ai vu bouger, ouvrir sa bouche. Hein. Quelque chose de magistral au cœur. Voilà. Merci beaucoup. c'est magnifique, magnifique. Voilà, donc, si vous voulez, dans la manière, après, on va vous présenter l'intraterre, puis vous allez découvrir les êtres, des esprits de la nature qui sont galactiques. Vous allez découvrir des dragons galactiques, vous allez découvrir des dragons intraterrestres, vous allez découvrir les esprits de la nature intraterrestre, vous allez découvrir les êtres de l'intraterre. Et donc, c'est des mondes absolument magiques, les 24 anciens, les 12 étoiles mariales, vous allez découvrir ce que c'est que les Melchizedek. Et par exemple, pour vous montrer un exemple des choses, de la vue d'ensemble que vous allez avoir. Une chose toute simple, vous savez, on vous parle des Melchizedek. On vous parle des maîtres ascensionnés, on vous parle des saints, et on vous parle des 24 anciens, on vous parle des 12 étoiles mariales. Mais vous ne faites pas le lien entre eux. Ah, Nicolas est en train de... c'est pas grave, continue, je vais... Non, continue, je pense qu'il y a du monde qui est chez toi. Et, ben là, il y a actuellement, au-dessus de chez nous, il y a au moins 3-4 grands vaisseaux qui sont en train de tourner,
Il y a beaucoup de têtes, c'est marrant, parce qu'ils ne sont pas complètement sortis de l'intra-terre. Il y a beaucoup d'êtres qui sont juste sortis la tête là. Ah, c'est marrant, ouais. C'est marrant. Nouveau ce soir. Et donc, là, par rapport à tous ces êtres, on en était où? Parce que là, on est parti. C'est plutôt rigolo. Oui, c'était par exemple l'explication. Si vous voulez, les Melchizedek, pour vous expliquer qui c'est. Les Melchizedek, ce sont des êtres dont le dessein de vie est d'enseigner et de transmettre. Voilà, donc les Melchizedek, c'est tout être dont ce dessein de vie de transmettre la lumière divine. On en connaît un certain nombre, Omram Mikhaïl Ivanov, Osho, Saint Hildegard de Bingen, on peut citer Mahananda Moyi, on peut citer etc., etc. Des êtres, il y en a plein, et il y en a qui sont incarnés sur cette terre, des Melchizedek qui peuvent le dire en toute humilité. Et moi, je vous dis, j'ai un ami Melchizedek qui est parti il y a très peu de temps et qui était un être absolument remarquable. Donc, c'est leur dessein divin de transmettre la lumière. Ils se dévouent entièrement à cette tâche, corps et âme, et à 100%, et à toute heure, à tout instant de la vie. Donc, ça, c'est les Melchizedek. Après, il y a les saints. Vous avez tous entendu parler des saints. Alors, bien sûr, il y a les saints dont on parle. Le saint, c'est quelqu'un qui est nommé par l'Église catholique, mais il y a aussi des saints qui sont des saints sans avoir été qualifiés de saints par l'Église catholique. Donc, c'est des êtres assez exceptionnels qui suivent le divin, qui ont des visions, qui éclairent et qui portent des chemins. Après, je vous ai parlé des Melchizedek, des saints, des maîtres ascensionnés. Et les maîtres ascensionnés, ce sont des êtres qui ont ascensionné et qui n'ont plus besoin de se réincarner. Ils le peuvent, mais ils ne sont plus dans le cycle des réincarnations. Donc, du fait de leur parcours dans cette vie, ils ont ascensionné. Donc, ce sont des maîtres dans le sens où ils ont ascensionné. Bon, on en connaît Kutumi, Crystal Jaya, on peut citer Rumi, on peut citer Maître Saint-Germain, etc., etc. Donc, ça, c'est les maîtres ascensionnés que vous connaissez. Mais quel est le lien entre tous? Puis après, il y a les 24 anciens. Bon, les 24 anciens, bien autrefois, autrefois, l'être qui était à la tête, qui guidait les 24 anciens, c'était Omram. Maintenant, il y a eu des changements, donc vous les découvrirez dans le livre. Et ensuite, il y a les 12 étoiles mariales qui ont été créées par Marie pour avoir un groupe de femmes qui l'aidaient dans son travail sur le féminin. Et donc, quel est le lien entre tout cela? Eh bien, il y a des choses qui sont à comprendre. Quelqu'un qui est un Melchizedek, qu'on explique dans le livre très clairement, quelqu'un qui est un Melchizedek, quelqu'un qui va diffuser la lumière, peut être un saint. Et un saint peut être un maître ascensionné, puisque du fait de son parcours de saint, il n'a plus besoin de se réincarner. Donc un saint peut devenir un maître ascensionné. Et un maître ascensionné peut aussi être un Melchizedek. Omram, c'est le plus bel exemple d'enseignant Melchizedek, maître ascensionné. Bon, ce n'est pas un saint, il aurait pu l'être. Hildegard de Bingen, c'est à la fois une maître ascensionnée, c'est une sainte, et en plus c'est une Melchizedek avec tous les enseignements qu'elle nous fait sur le divin, le champ, la nature, etc. Et elle fait aussi partie des 12 étoiles mariales. Donc c'est pour vous montrer, à travers ce livre, vous allez avoir une conscience de l'organisation de tous ces êtres. Il y a beaucoup de termes qui vous sont donnés actuellement sur lesquels vous allez pouvoir mettre un savoir. Alors, Martine, voilà, il y a quelqu'un qui est arrivé, donc Martine a reçu un message et elle va le partager avec vous. C'est le plaisir du live. C'est Tara Verte qui souhaite offrir une bénédiction à tout le monde. C'est une bénédiction qui va avoir un effet de soins particuliers pour dissoudre les blocages qui empêchent notre réalisation, la réalisation de chacun, chacune. Voilà, donc si vous voulez bien, on ferme les yeux quelques instants pour accueillir cette bénédiction et ce soin de Tara Verte. Tara Verte, qui elle aussi fait partie des êtres qui sont, telle Isis Marie, Marie-Madeleine, font partie des femmes sacrées, divinités sacrées, et portent le message de la source.
C'est assez rigolo. Ouais, il y a quelques. Alors, voilà. Il y en a encore une à enlever, en dessous de celui de Françoise. Sex fine. Voilà. Ce qui est assez rigolo, c'est que, justement, c'est ce que je dis dans, quand on est dans l'éveil, ça, si vous voulez, on vient d'avoir un certain nombre dans le chat de présentations, de sites de sexe, de femmes, etc. Alors qu'on était avec une femme sacrée. Et moi, ce que je viens d'écrire dernièrement, si vous voulez, c'est que accueillons avec joie le fait d'être attaqué par l'ombre et la lumière oblique. Car c'est le signe que nous sommes dans la pleine lumière et que nous sommes dans la bonne voie. Et là, nous étions avec Tara Berthe, femme sacrée par excellence, en train de recevoir et d'enlever les limitations. Et juste à ce moment, la lumière oblique intervient à travers ces êtres dans notre chat. C'est le signe que nous sommes sur la bonne voie. Donc merci à eux, parce que vous nous montrez que bien, nous sommes plus forts que la lumière oblique, que c'est une victoire vers laquelle nous allons, une diffusion de cette lumière, et que nous sommes vraiment dans le juste. Voilà. Merci Tara. Merci à Tara, à notre ami. Merci. Tara. Cet enlèvement de limitation. Merci François. Tara Blanche, Tara Lunaire et beaucoup de Bouddhas sont présents dans le livre aussi, avec beaucoup de cadeaux, beaucoup de méditations, de choses magnifiques. C'est... non, je crois qu'on aurait pu faire un livre hein, qu'avec les Bouddhas et les Tara. C'est qu'on est limité hein, en nombre de formats, de pages, tout ça, parce que sinon... Eh bien, en tout cas, c'est magnifique. J'avais envie de vous demander, de votre côté, est-ce que vous avez déjà un exemplaire Non, on n'a pas encore l'exemplaire. On va l'avoir un petit peu. Tu sais, quand le livre de Martine est sorti, on a reçu le carton avec l'exemplaire quelques jours après. Donc, voilà. Là, d'accord. Ça va être au dernier moment. On est vraiment dans les clous, mais... Donc voilà, beaucoup de remerciements pour le soin de Tara Verte. Voilà, et c'est des soins comme ça, ils vont vous être présentés tout le long dans le livre aussi, puisque tout le long, ben, vous avez des soins de guérison, d'éveil, de lumière, des soins aussi à vos lieux, puisque les deux sont indissociables. Voilà. Le but, c'est guérison, éveil, et le but, c'est atteindre à sa lumière, atteindre à son être divin dans son unicité, unicité qui provient du fruit de nos expériences, de nos origines jusqu'à maintenant, expérience transcendée pour nous amener à cette pure lumière. Voilà, donc c'est le but de ce livre. Dans l'unité, dans la loi de l'un. Voilà, donc justement, Coro, beaucoup de personnes ressentent vraiment voilà, ces énergies liées hein, aux photos, représentations. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler un petit peu de la personne qui a œuvré avec vous pour les représentations Tout à fait, si vous voulez. Cette personne s'appelle Audrey Plat, elle a suivi tous nos enseignements, absolument tous. Elle nous a accompagnés sur de nombreux voyages, que ce soit les voyages Tenchen, Mont-Saint-Odile, cathédrale de Strasbourg, que ce soit les voyages découvertes du Mont-Saint-Michel à la Bretagne magique jusqu'à... Paris, elle est venue avec moi souvent, etc. Donc, elle est venue souvent Terre des Veilleurs dans notre lieu. Et donc, Audrey, actuellement, bien, elle est illustratrice, mais que pour nous, en fait, puisqu'elle fait d'autres choses. Là, elle travaille dans une communauté, et elle aide tous les êtres à atteindre à leur lumière ce qu'elle sait faire. Elle s'est installée en Bretagne. Et si vous voulez, pour l'instant, elle fait quelques soins, continue à faire des soins sur les gens, sur les lieux. Voilà, et puis on s'est rencontrés dernièrement, mais elle est pareil, elle a changé de vie, elle a changé de lieu, elle a changé d'endroit, et la dernière fois qu'on l'a vu, elle était particulièrement heureuse de ses nouveaux choix et de cette libération vécue. Voilà. Et donc il y a des questions, donc vous allez aller à Paris, je crois, hein, pour faire la promotion du livre. Oui, on va à Paris eh bien, le week-end du 10
11-12 novembre. Je fais 3 jours sur Paris de manière à présenter. Alors, on peut venir qu'une journée si on le souhaite, ça vous le trouverez sur notre site. Et pourquoi ? Pour présenter à la fois les lieux sacrés où est né Paris, d'une certaine manière. Donc, c'est Paris des Romains au début. Et donc, retrouver aussi Sainte-Geneviève qui a été l'égérie des Gaulois. Donc, le lieu où elle était. Et après, arpenter à travers un parcours alchimique accompagné par Nicolas Flamel les différents endroits de Paris, différents jardins, autant de différents grands lieux. Et ensuite, le lendemain, on fera une journée de présentation du livre. Et on ira aussi à la Tour Saint-Jacques. La Tour Saint-Jacques est un magnifique émetteur d'énergie, de lumière pour Paris. Donc, afin que nous puissions le découvrir, bien sûr, et mettre des fréquences et des codes de lumière qui vont permettre à Paris de monter en vibration. Et puis, le lendemain, le troisième jour, on va aller à Paris, à le vortex du cœur de la Terre, de Gaïa, qui est placé à Versailles, au Trianon, et qui est vraiment extraordinaire, parce que les êtres qui ont créé ceci avaient une maîtrise des énergies de la Terre, du féminin, et donc nous irons au petit Trianon, à Versailles, pour découvrir ces énergies-là, ainsi qu'à quelques endroits de Versailles aussi que je connais, qui sont assez particuliers. Voilà. Merci. Est-ce que vous envisagez aussi la Belgique ? C'est la question de Afida. Eh bien, c'est vrai que j'ai beaucoup envie et que nous avons beaucoup de choses à présenter. À ce moment-là, Afida, moi, ce que je dis, bien, les tarifs, ben, si tu veux, tu nous envoies un petit mail à travers notre site. Et le but, ce serait que vous nous trouviez un groupe et nous, à partir d'une dizaine de personnes, on peut se déplacer, soit moi, soit Martine, pour venir vous rencontrer et peut-être faire un 3 jours là-bas. Moi, c'est avec plus que grand plaisir, puisqu'il y a beaucoup de gens de Belgique qui nous suivent. Je vois sur notre prochain atelier avec Nicolaya, sur les ultra-galactiques et l'ultra-terre, et il y a déjà 2 personnes de Belgique qui se sont inscrites. Donc, c'est vrai que ce sera avec grand, grand plaisir que je viendrai là. Tout à fait. Alors voilà, j'ai envie de poser une dernière question par rapport aux êtres que vous avez donc reçus chacun en peut-être de façon plus privilégiée, plus personnelle. Donc toi, Martine, c'était peut-être plus Bouddha, les Bouddhas et les Taras, ou est-ce que vous avez vraiment chacun va dire reçu tous les groupes de lumière en alternance par rapport à vos énergies? C'est un petit peu les deux. Moi, je dirais que j'avais reçu déjà les Bouddhas, les Taras, les Elohim et les archanges. Ça fait déjà un petit moment. Et puis après, bien sûr, il y a certains qui parlent plus à certains moments qu'à d'autres, je dirais. En particulier, quoi, l'un ou à l'autre. Martine, par exemple, a vibralisé tous les Elohim. Mmh. Et c'est vrai qu'on sent la différence quand c'est Martine ou quand c'est moi. Et c'est intéressant parce qu'on a chacun une approche différente. Donc, ça donne une lecture féminine, une lecture un peu plus masculine, des êtres de lumière. Et c'est intéressant. Donc, les Elohim, eh bien, elle en a fait quelque chose de remarquable. Et puis, les dragons, bon, ça a été un peu nous deux aussi, parce qu'on a fait pas mal de stages de dragons ensemble aussi. Donc, après, on a découvert beaucoup de choses ensemble aussi. Donc, c'est un peu tout. Voilà. Donc, on va dire qu'il y a des parties qui ont été faites d'un côté, des parties de l'autre, et puis d'autres parties ensemble. Mais de toute façon, tout ce qui a été écrit a été visé et validé par les deux, puisque c'est un livre commun. Et wow. Donc, voilà. Ben ça, c'est vraiment magnifique parce que voilà, on va vraiment pouvoir ressentir les deux aspects du féminin et du masculin. Et c'est important quand deux auteurs comme ça unissent leurs énergies pour créer quelque chose, une œuvre magnifique. Donc voilà, il n'y a plus de questions spécifiques. Véronique, tu veux rencontrer, qui veux-tu rencontrer? Ben, on va bientôt les rencontrer. Donc pour Daniel, écoute, nous on sera à Cultura Avignon, date. Alors Avignon, c'est loin. Le 26 novembre. Voilà, donc c'est Sorgue en fait. À Sorgue, c'est le 26 novembre.
et le 3 décembre à Cultura La Garde, Toulon. Voilà, ça c'est pour la personne de Draguignan. Donc ceux qui veulent nous rencontrer, ben, vous pouvez nous rencontrer soit à Cultura Avignon, soit à Cultura La Garde. Hein, Martine vous a donné les dates. De toute façon, les dates sont présentées donc soit à philippegilbertauteur.com, soit à martineisadora.com, et là vous avez nos dates de séance dédicace. Date séance dédicace pour se rencontrer. Après, sachez que l'an prochain, on a déjà fixé une date en début août, donc le premier week-end d'août, de mémoire c'est le 3, 4, 5, pour les rencontres de l'éveil qu'on fera chez nous à Terre des Veilleurs dans le Gard, pour Daniel qui est du Gard, qui est dans le Var, et pour Daniel qui est dans le Gard, ce sera facile pour venir, et pour d'autres personnes aussi. Donc sachez qu'on va avoir un nouveau programme. Cette année, nous étions quand même 30, entre les intervenants et les participants, nous étions 36 sur place. Donc, nous limiterons le nombre de personnes, mais bon, nous pouvons être un peu plus nombreux. Et voilà, donc nous serons ravis de vous accueillir pour les rencontres de l'éveil, pour se rencontrer en personne ici, à début août, avec mon ami Nicolaïa, et ensemble. Nous sommes en train de préparer un programme. Oui, ce sera donc, juste pour préciser, les 4, 5 et 6. Voilà. 4, 5 et 6 août. Voilà. Eh bien, c'est vraiment merveilleux. En tout cas, je pense que ce livre, justement, se profile merveilleusement pour la fin d'année et va indubitablement faire des heureux. Voilà. Si tu peux montrer la diapositive, peut-être. Ah oui, il nous dit qu'elle pleure. Voilà. Extraordinaire, extraordinaire. Ah ben Daniel, voilà. Là, c'est pour vous dire, pour précommander le livre, donc ça peut être la FNAC, Cultura, leslibraires.fr, Décitre, Glénat, Amazon, mais vous pouvez déjà le précommander. Et puis, on met un petit message, surtout, parce que c'est important. Si vous pensez que le message qui vous a été délivré ce soir, et moi, c'est ce que je pense, si vous voulez, peut aider à faire un bon cantique. Et que chaque être humain prenne sa souveraineté parce que il vivra sa présence dans le grand cercle des êtres de lumière et il ne sera plus du tout dans une conception ancienne et hiérarchique des êtres de lumière. C'est un bon cantique pour nous tous en ce début d'année qui peut se produire. Donc ce bon cantique, si vous voulez participer à ce qui se met en place, vraiment, je vous propose de mettre un avis positif et de mettre des étoiles, parce que c'est comme ça que marche le système, c'est pas pour nourrir mon ego, puisque mon ego, ben, il se renverse, hein, ça fait partie du renversement en divin et en unicité, et il disparaît de plus en plus, je ne dis pas complètement, ce serait prétentieux, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est juste pour aider un petit peu avec les choses du monde, à faire connaître ce message, à diffuser, donc surtout n'hésitez pas à prendre un petit temps pour diffuser cette révolution, pour que chacun prenne sa souveraineté, écrit des avis positifs et met des étoiles. Je vous assure, c'est ce qui permet que les choses apparaissent, remontent, ça marche comme ça, les moteurs de recherche. Ça va nous permettre d'amener à tous les êtres une bascule, vraiment. Quoi. Infinie gratitude pour ta participation à l'œuvre ascensionnelle. Quoi. Et voilà, c'est gratitude pour vous tous et vous toutes pour qui vous êtes. Voilà. Là, à la fin, on met merci à vous tous pour votre infinie présence. Ouais, merci. Nicolas, merci, si tu veux revoir les messages, comme ça, moi, j'ai fini avec le diaporama, je peux... Voilà. Alors, ouais. Eh bien, voilà, beaucoup de gratitude et de remerciements. Vers le soleil. Voilà. Alors, j'ai envie de dire aussi, n'hésitez pas, si cette émission vous a parlé, à parler de ce livre autour de vous, aux personnes auxquelles voilà, ça pourrait intéresser. Afida, oui, j'ai un Messenger, oui, j'ai un Telegram. Donc Telegram, eh bien, Philippe Gilbert, mais tu peux trouver le groupe Padma Lovin et demander à y rentrer dedans. Hein? Alors, il y a eu plusieurs précommandes hein, qui ont été réalisées ce soir. C'est merveilleux, merci. Alors comme j'ai pas d'action ni chez l'un ni chez l'autre, j'ai mis divers liens sous la vidéo. Non, comme ça, vous pouvez choisir. Parce que je crois qu'il est vendu au plus ou moins au même prix partout. Hein.
Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est pas, ces questions. Voilà. Voilà, y a des beaux messages. Après, on attend vos retours. Et puis, si vous souhaitez, par moment, mais les gens de Belgique, par exemple, eh bien, si vous souhaitez qu'on vienne un week-end pour faire un week-end de présentation des êtres qui sont dans ce livre, les rencontrer, faire des initiations avec eux et tout, c'est avec plaisir qu'on vous Eh donnera les bien, moyens d'utiliser complètement ce livre. Parce que ça va être un outil, mais il y a beaucoup pour les gens qui utilisent des biomètres, il y a des gens qui passent le doigt sur des listes pour savoir qui sont leurs guides, leurs guides spirituels, leurs guides de guérison, leurs guides d'éveil, etc. Ou pour savoir tout simplement, mais tiens, j'ai une présence qui est en face de moi, ce dragon d'où il vient, est-ce qu'il est de l'intra-terre, est-ce qu'il est stellaire, est-ce que c'est un dragon terrestre, une divinité, tiens, je sais qu'il y a une divinité qui est là, mais est-ce que c'est une divinité celtique, est-ce que c'est une divinité hindoue, est-ce que c'est une divinité chrétienne, est-ce que c'est une divinité autour de la Terre? Qui es-tu? S'il y a un être galactique, est-ce que tu es de... Voilà. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de diagrammes ou de listes qui vont vous permettre, en passant le doigt dessus, vous demander à l'être de vous mettre un point de lumière, et votre doigt va s'arrêter dessus, vous direz, ah bien, tu es un dragon de l'intra-terre. Ah, super. Ah, tiens, tu es un arthurien. Merci à toi. Ah, tiens, tu es Shiva. Ah, je suis vraiment heureux de te trouver. Ah, tiens, tu fais partie des guides de lumière. Ah, tu es le Christ ou Marie-Madeleine. Ah, ben, je suis vraiment heureux que tu sois là. Quel message tu as à me donner? Tiens, que tu viens partager. Est-ce que tu as mes guides spirituels? Oui, super. Voilà. Donc, il y a aussi beaucoup d'éléments qui vont vous permettre de rassembler, et bien, pour ceux qui font des soins, de faire des meilleurs soins. Pour ceux qui veulent monter le taux vibratoire de leur lieu dans lequel ils sont, de pouvoir le faire monter, de pouvoir le faire devenir lumière. Pour ceux qui veulent s'éveiller, aller encore plus loin, de pouvoir le faire et de mieux identifier les êtres qui vous accompagnent de manière journalière et à tout moment. Merci, merci infiniment Philippe et Martine. Merci à tous les êtres de lumière mais qui se sont présentés à vous. Merci à toutes les personnes ici présentes ce soir. Et également merci à toutes les personnes qui verront voilà, cette conférence en replay. On vous souhaite une merveilleuse réussite, Philippe et Martine. Et il nous a fait grande joie de vous avoir reçu, entendu ce soir. Merci beaucoup. Merci à Nicolaïa pour ton œuvre et qui tu es. Merci. Merci à vous tous et à toutes qui avez été présents ce soir. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt.